Ça passe, c'est ça. Et d'où l'appellation vis-à-vis. On a des vieilles expressions comme ça. On les arrête à nouveau. Donc ces deux petits chevaux se ressemblent beaucoup. Ils ont des balzanes sur les poches. Ça, c'est la sono qui va leur faire un petit peu peur. Comme tous les gibiers, le cheval a peur du son. Ils ont une ouïe extrêmement fine. 4 ans, on est d'accord ? Non. Voilà. 1, 2, 1, 2. Reviens. Alors, qui peut m'expliquer, sauf ceux qui savent ? Autre race de chevaux de trait, la race bretonne. C'est pas la même robe, on n'est pas dans le bai foncé, dans le bai brun, on est dans l'alezan. Ils sont comme ça, nos éleveurs. Ils ont des traditions, ils ont le respect de la présentation. On les arrête, Pierrot ? Allez. Évidemment, l'expression... Elle est presque attelée. Il y a du boulot. Il y a encore... Arrêtez en diagonale comme ça. Voilà. Ben, laisse-la comme ça, celle-là. Si vous l'applaudissez, ça lui fera plaisir, je pense. Là, on a créé la race issue d'une jument et d'un âne il y a très longtemps. Et ils se sont reproduits entre eux. Et on a créé cette race qu'on appelle le trait... Il m'a reconnu. Viens, mon pépère, viens. Prudent et ne pas vous mettre vers les pieds des chevaux quand ils sont attelés. Que je vous invite à aller voir. On s'arrête à l'entrée de la rue à gauche.
Ça, c'est ma petite fille. Mais... C'est ça.